fait beau pour les oreilles. Hein. Attends, bon. Bonjour. Bonjour. C'est ta main. Qu'est-ce qui lui arrive? Bien, il pousse dans les oreilles, la gorge. Depuis combien de temps? Depuis hier en gros, oui. Pourquoi j'ai choisi les études de médecine? Sacrée question. J'ai toujours voulu être médecin, je crois. Je me souviens pas avoir voulu faire autre chose. Si, dresseur d'ours, peut-être. Non, je déconne. En fait, on avait notre médecin de famille qui venait à la maison et il m'impressionnait beaucoup. C'est peut-être cette idée de devenir un homme important pour les autres qui m'en a donné envie. On va regarder l'oreille, hein? D'accord? Ça fait pas mal, ça. 9 ans d'études. Je m'en rendais pas compte. Oui, mon chéri. Et maintenant que je vois mes potes qui ont déjà un boulot fixe et même des gosses, ouais, je trouve que ça n'en finit plus. Et le plus chiant, franchement, c'est de passer plus de temps au téléphone avec ma chérie qu'à ses côtés à Lyon où elle m'attend. Pourquoi trouver un patient qui est déjà venu aux urgences, les onglets bleus ne sont accessibles qu'aux médecins. Allez, dans 1 an et demi, j'aurai bouclé mon internat, rédigé ma thèse, et je serai officiellement médecin généraliste. C'est pas beau, ça? Moi, c'est Julien. Et mon collègue, là, assis avec les autres internes, c'est mon pote Julien. Bah ouais, lui aussi. Nous avons atterri à Autun, au fin fond de la Bourgogne, pour y valider notre module de 6 mois de pratique hospitalière en périphérie. Médecine à orientation gastro-entérologie et puis médecine gériatrique. La périphérie, le mot me laisse songeur. D'après ce que m'ont raconté les autres internes qui sont passés en stage ici, l'hôpital d'Autun est le dernier plateau technique avant un grand désert médical. Le bout du bout. Au nord et à l'ouest d'Autun, c'est le Morvan où il n'y a presque plus de médecins. Ma foi, on verra bien. Pas de soins particuliers. Hein. Mmh. Elle a pas de soins, c'est juste une histoire. Ah non, c'est juste une histoire de qu'on s'occupe d'elle. Quoi, c'est juste une histoire qu'on s'occupe d'elle. Donc, soit via. Pour ce semestre, Julien et moi, on avait demandé les urgences. Mais tu me laisses pas d'étendre. Ce qui est cool, c'est qu'on sera tous les deux dans le même service. On aurait pu prendre la gastro, la cardio ou la pneumo, mais on s'est dit qu'aux urgences, on verrait tout et que ça ressemblerait à ce qu'on vivrait plus tard quand on serait installé dans un petit cabinet médical. Prêt. Et de toute façon, on devait faire ce stage d'urgence. Président de la République, je te remets ton bagage. Merci beaucoup. Tiens, celui-là, il y a toi aussi. Ah, il y a le t-shirt dessous. Voilà, donc c'est un 4x4 qui est un petit peu lourd parce qu'il est bien chargé, mais en 4 roues motrices, il tient. Et puis on a un secteur. Donc les périphéries, on a Semur qui est ici, Avallon qui est là, Nevers ici, et Decize ici. Donc ici, les gens qui vivent là au milieu, vous verrez, sont des gens qui sont résistants. Mmh. On a inventé les chambres doubles. Oui. Et puis il y a les couloirs chambres. Et puis après, il y a les halls de gare chambres. Ah, parce que c'est ça, il y a des champs, enfin, un petit service d'hospice de courte durée, enfin, c'est vraiment petit. C'est ce qu'il nous faudrait. Là, il a les deux lits, directement les deux lits portes. Mais régulièrement, t'es obligé d'en mettre 4, quoi. Au secours ! Les pop, il a un jambe. J'ai appelé votre dame, elle va venir. Par contre, je vais vous donner un petit cachet. L'hiver, et vous allez voir à Noël ce que je disais à Véronique tout à l'heure. Les placements des personnes âgées avant Noël, le chien à SPA et puis la grand-mère à l'hosto, SPA des vieux des fois aussi, hospice comme on veut l'appeler. À fauteuil, si vous préférez être assis au fauteuil. Non, voilà. Elle a combien? Vous allez mettre le slip par-dessus le pantalon? Non. Mais je suis pas sûre qu'il est super propre, hein.
Ah bon? Qu'est-ce que vous voulez? Vous le lavez? Bah, vous, la, votre femme, elle vous le lavera ce soir. Ah ouais, ce soir? Bah, quand ici. Elle campe, bah, pas ici, elle va faire une machine. Ah ouais. 50 cm de neige. Ouais. T'avais tous les locaux qui étaient avec leur 4x4 qui étaient tous dans les fossés, et toi, tu devais monter chercher un infarct à plancher, justement. C'est pour ça qu'on a pris autant pour l'hiver, en fait. Parce que vous êtes vif, fallait, ouais, parce que, fallait vivre une fois, donc. Comment je vais arriver à Autun si personne bah, on y est à Autun là. Vous êtes à Autun hein? Bah oui, on a l'hôpital à Autun. Vous habitez à Autun? Oui. Bah, vous pouvez m'emmener ce soir là? Bah il y a votre épouse qui vient. Moi j'ai pas le droit de vous amener. Mais pas tout de suite, alors ne demandez pas tous les sans cesse. Je sais pas. Avec votre soeur. Finalement, on s'est dit qu'on n'aurait peut-être pas dû choisir les urgences. On va voir comment on fait la répartition. Bah maintenant, il va falloir assurer. J'ai plusieurs idées, vous en avez peut-être aussi, on va discuter à côté. Je vous avoue qu'avec le stress d'être en poste dès le lendemain, j'ai eu une vraie vision de cauchemar du boulot qui m'attendait. J'ai pas dormi de la nuit. Je vous raconte mon rêve. En fait, on avait atterri sur une planète étrange, toute blanche et peuplée de résistants. On était engagé dans une lutte contre une cohorte d'aliens agressifs pour défendre les droits de l'humanité. Oh, c'était des bestioles. Et j'avais été appelé en renfort sur cette dernière station encore debout pour soigner les victimes innocentes de ce combat cruel et complètement insensé. Et on prenait une navette spatiale pour aller chercher les blessés graves qui ne pouvaient même pas venir se réfugier à la station. Le chien est SBA, la grand-mère à l'ostéo. Pourquoi j'ai choisi médecine? Non, c'est pas la peine de me parler. Quand je me réveille, je suis grognon. C'est le médecin qui vous envoie? C'est le médecin qui m'envoie. Parce que j'ai pas vu de courrier du médecin. Le nom de quelqu'un? Hein? Le médecin a la difficulté par téléphone. Et l'envoie pour un EMI. Ne parlez pas, hein? Vous avez pris votre ordonnance avant de venir? Je vais prendre une achat, peut-être. Vous allez prendre un achat. D'accord. Et ce matin, elle m'a fait un peu. Ah, mais je vais prendre un achat. C'est pas grave, c'est pas grave. On va trouver. Elle doit venir, votre dame, là? Oui. D'accord. Et c'est elle qui amènera les tout? Ben non, mais il faut lui téléphoner. Il faut lui téléphoner, ce que. Ok. Elle veut pas très bien, il savoir. Ok. Tu comprends quelque chose en plus, tu me dis. Oui. Les urgences. Une gare spéciale du 21e siècle. C'est bien ça, Arnaud a raison. Les patients arrivent ici par wagon. Train de nuit, ambulance, taxi. Le hall de gare se remplit au rythme des aléas des vies et le transit est obligatoire. Je vous ai déjà eu, vous? Vous êtes déjà venu à l'hôpital? Qu'est-ce que vous avez, une grippe de comptoir? Non. Ah mais non. Bon, la goutte, là. Ouais. Bonjour. Bonjour. Je vais monter mon gastro de monsieur. La foire. Bah oui, ça pue. Bonjour, la foire, ouais. Ah, bah, j'ai deux jours. C'est on le met sur un lit, je vais chercher un lit. Avec une cuvette pour moi, s'il te plaît. Mais il est un lambeau. Ouais, vous allez décuter là, tranquille, la nuit. Comment? Mais calme. Les pommes vers les monts. Non, vaut mieux. Voilà, vous êtes d'accord. Voilà, les pommes vers les monts. C'est gentil, ils sont là. C'est toi. Vous êtes tombé? Oui, je suis tombé. En faisant quoi? Oh, bah, rien du tout, hein. Malaise quelconque. Ah, vous avez fait un malaise? Oui, certainement. Vous avez perdu connaissance? Oh non. Non, vous vous rappelez oh, de tout? Oh oui, je me rappelle.
Mais vous n'avez pas trébuché dans quelque chose? Ben non, non. Non. Si tous les coquilles avaient des clochettes au cul, ça me ferait du chahut. C'est une dame qui est venue la semaine dernière en hypothermie. C'est ça le plus important. Sortie hier de l'hôpital, revenue aujourd'hui. Une grande réussite. Vous pouvez vous asseoir un petit instant. Pour arriver à 32 de température, c'est que... Il devait pas faire chaud à la maison. Respirez fort. Ah. Encore. Et les bras. Bah, zette. Non, non, je vous embrasse pas non plus, dis donc. Elle va me faire du gringue en plus. C'est pas grave, merci. Je vous explique pas, il y en a une qui va faire là. Donnez-moi de l'eau, j'ai soif. Pas de problème, on va même vous donner un petit médicament en même temps. Ah bon? Médicament. Tu ouvres tout ça, s'il te plaît? Ici, il n'y a pas de plan de circulation. Les itinéraires se croisent. Il faut remettre les gens sur les rails ou dans les bons wagons-lits. Avec tout ça, ma première journée s'est plutôt pas mal passée. Les deux urgentistes en poste n'ont pas été sur mon dos toute la journée. Ils sont prêts à me faire confiance. Et ça, j'en ai vraiment besoin pour m'intégrer. Parce que même si je ne suis qu'interne et que je dois en référer à mes seniors, j'ai un minimum envie d'être efficace et autonome. Allez, hop. Tout ça à coup. Eh ben. Ah ben, on sait pourquoi ça va pas, hein. C'est pas trop malade, moi. Si tu... Et notre petit train-train aux urgences a démarré. Julien et moi en poste décalé, un en matin et l'autre en soir. Nous avons fait la connaissance de Mohamed, Momo pour tout le monde. Toujours les premiers jours, les premières semaines, il faut les aider, il faut les montrer. Après, on peut compter sur eux. Ici, le tutoiement est de mise. Les surnoms aussi. Steph. Pour nous, ça a fini par être les Juju, le petit et le grand. J'ai compris qu'Arnaud nous avait brossé un tableau plutôt infernal du service parce qu'en fait, c'est sa manière d'en plaisanter. Demande-lui, rappelle-la et demande-lui qu'est-ce qui marche. Ça va être plus vite. Parce que là, tu parles de blast, après tu parles de potassium, tu parles de... Il y a le foie qui va pas, la rotule... Les médecins tournent deux par deux, chacun apportant sa touche de personnalité au duo de la journée. Avec Amine, ses zen attitudes, on prend le temps d'étudier. Pour l'interpréter, j'ai pas d'ossature antérieure. C'est un monsieur qui vient pour malaise avec. Le cinquième urgentiste a en plus la responsabilité du service. C'est Jean-Yves. Il gère des plannings à trous. Parce que dans l'idéal, il faudrait qu'il soit 10. Ça va forcément se chevaucher. Respire bien dans le ballon. Super. Dernier, Luna, c'est allez, fini. Plus qu'un. Là, je fais les nœuds, tu sens plus rien. Là. Aux urgences, il n'y a pas de journée type, mais plutôt des journées à thème. Il faudra les retirer dans 7 jours. La douleur de 0 à 10, vous l'évaluez à combien là? Les patients se présentent avec les mêmes problèmes les mêmes jours. Bon, c'est bizarre tout de même, non? À croire que la météo, les marées, les planètes ou je ne sais quel autre stratège surnaturel agit pour les rassembler. C'est dur quand vous appuyez dessus. Hein. Votre adresse? La Comelle. Mais c'est quoi le qui vous est rentré dans le pied en fait exactement? Non, non, c'est un timon de remorque. Coincé en fait. Oh, je me suis fait coincer entre le relevage et le tracteur. D'accord. Le timon et le relevage du tracteur. La plaie, elle fait quand même 12 cm. Elle est profonde comme de 3-4 cm. Donc c'est quelque chose. Hier, c'était thème fracture atelier plâtre. Aujourd'hui, c'est thème suture atelier couture. Bon, ben, je vais regarder si. Ouais, ce qu'il y a en usant. Je vais faire une locale, je vais regarder, ouais. Et c'est avec Paul, un médecin remplaçant. Il vient d'une périphérie voisine. On le voit aussi très souvent. Oui. Oui.
vous allez avoir une petite douleur, mais qui sera supportable. Mais à côté de ça, vous aurez un traitement qui va prendre le relais. Mmh. Et puis, vous n'avez pas d'allergie. Normalement, non. Il me dit, s'il n'y a pas de lésions tendineuses, des trucs comme ça. C'est quand Paul m'a demandé le numéro de l'orthopédiste pour faire opérer notre patient que je suis tombé éberlué devant le planning d'un de ses confrères chirurgiens. J'ai la brève sensation qu'ici, tout ne tient qu'à un fil, non ? La dame qui s'en va ? Ouais, elle s'en va. Là, dans notre bocal, ça paraît être le bazar. Parce que moi, quand elle est arrivée, pareil, elle avait 0,40 et quelques. Eh bien, c'est juste lors des transmissions. Après, elle avait une les deux infirmiers de jour passent le relais aux deux infirmiers de nuit. Dernier contact avec mes collègues. Dans une heure, je serai de garde, tout seul. Donc, une ampoule de G30. C'est ingérable ici. Elle, en fait, elle va partir. Les urgences, bonjour. Je sais, je suis d'accord, mais hier soir, je suis remonté pour aller rajouter un truc parce qu'on n'avait pas eu le bilan. C'est un problème éternel. Les week-ends et les nuits, la responsabilité médicale de tout l'hôpital est confiée aux internes. Chacun son tour, un de nous prend la garde. Les infirmiers des sept services ont consigne de nous appeler en cas de besoin. On nous appelle, forcément. Les gardes sont plus ou moins éprouvantes selon l'heure à laquelle vous avez réussi à vous coucher et l'heure à laquelle on vous rappelle. La nuit, les couloirs sont péniblement rallongés et les lignes des électrocardiogrammes se mettent inexplicablement à danser. Et même si les services sont calmes, de toute façon, on finit toujours par être rappelé aux urgences. Oui, Arnaud, les urgences, bonsoir. Vous pouvez passer à la table de garde, s'il vous plaît ? Merci. Comme il n'y a plus qu'un seul médecin aux urgences, quand il sort en SMUR, on doit le remplacer dans le service. Et des sorties SMUR, il y en a forcément. Monsieur de 44 ans, que je passe le scan. Donc il faut que lui, tu jettes un œil sur le scan et qu'on attende les résultats du scan. Le radiologue est prévenu et un jeune homme a trauma de pied, c'est au niveau du ligament de Chopard. A priori, je pense qu'il n'y aura rien de particulier, mais juste à voir. D'accord, merci, salut. Donc Julien arrive, hein. Ouais, ok. Il part pas le monsieur sans avoir le scan, hein. T'as dit alors ? Oui, il m'a expliqué un peu. Il y avait un trauma de pied et de cheville en salle de suture. Il y a un D'accord. jeune qui vient pour douleur abdo-vomissement. Ah ouais, bah lui, il m'a dit que... Fallait que tu vois la SP. Très bien. Puis j'ai remarqué qu'à 3 heures, je commençais à avoir mal ici. Et tu vois, ça ne paraît pas. Il y a une rupture de corticale là aussi, regarde. Ça. C'est tout à gauche, quoi, tu vois. Donc, ouais, bah, comme ça, on attend. Le... Ouais, un patient d'après. Là, il a quoi du... Il a une. Il vient de lui mettre une minerve un peu plus rigide, en fait. Mais le plus dur, c'est pas trop encore la garde. C'est surtout d'enquiller une journée de travail derrière. La douche, ça marche bien. La pomme de douche. Dans l'oreille. La pomme de douche, chaud tiède. Le shampoing, elle laisse mousser, hein. Et ouais, puis à la porte de douche tous les jours, le bouchon. C'est hallucinant les urgences. C'est journée à TMC en fait, c'est ça ? Ok. Bon. Ils font n'importe quoi, ils viennent pour tout et rien. J'ai pas le droit à l'eau. Pourquoi ? Parce que ça va me boucher carrément. Ah bon ? Ah ouais, j'ai pas le droit à l'eau. La secrétaire m'a dit qu'il faut que je vienne à l'hôpital, pour que ce soit vous qui appelez. Pourquoi ? Parce qu'elle veut pas nous croire que je serais venue ici. Voilà. Non, est-ce mais... que vous comprenez ce que je vous dis ? Non, je comprends. Bah, je peux... La secrétaire oui. m'a dit de venir ici. Elle m'a dit si vous n'avez pas les appareils pour ça, il faut appeler Docteur Joly. Non, mais on n'est pas un secrétariat pour... mais j'ai pas de portable, rien. D'accord, bah, on va demander au secrétaire quand elle appelle le Docteur Joly, ça va s'arrêter là. Par contre, là, le mieux à faire pour vous... On dit qu'il y a des soignants qui attirent toujours le même type de malade.
Est-ce qu'il y aurait un message à décrypter dans le fait que mes patients soient durs de la feuille, qu'ils aient des otites ou des bouchons? Est-ce que je serais chargé d'une obscure mission d'ordre auditif? Ça va être dur ce soir. Mais demain, ça ira mieux. Au revoir. Au revoir. Compte. Non mais des fois ça me rend fou moi. J'ai pas mis de café. J'ai mis un vieux café tout moisi. Je suis fatigué. Dis-moi au week-end prochain. Non mais j'en ai pas marre, j'ai envie de rentrer chez moi, j'ai envie de voir ma copine. Putain, pas chier quoi. Oh bichon. Tout à fait d'accord. Prends des vitamines. Non, je vais pas te faire de mouillette, je te les laisse parce que t'as l'air de beaucoup aimer. Virginie, il faudrait que tu filmes un bisoutage. Un bisoutage. Un bisoutage. Alors, le bisoutage, le qu'est-ce? Le bisoutage. Qui on... Ah, tiens. Salut. Viens, on fait un bisoutage. Viens, on fait un bisoutage. Ça fait plaisir. Je te jure que j'ai toujours cru que c'était bisoutage. Non, c'est un U. Un bisoutage. C'est, une... c'est ce qu'on t'a fait croire quand t'as attaqué tes années d'études. Bon, sinon, t'es fatigué. ouais. Et pourquoi t'es fatigué? Parce que je me fais bisouter tout le temps. Il passe des nuits, je t'explique pas. Ça, c'est une connerie comme ça. L'alarme du SMUR. Le SAMU Centre 15 nous engage sur une sortie. Jusqu'à 18h, on peut accompagner l'équipe mobilisée. Un coup c'est Julien, et un coup c'est Julien. On s'était dit qu'on n'hésiterait pas et qu'on sortirait à toutes les occasions. Il suffit de se lancer dans l'aventure. SAMU 71, départ VML Autun. La nature de l'intervention annoncée ne donne qu'un bref aperçu de l'incident qu'il faudra gérer. Douleur thoracique, malaise, accident de la route. Tant qu'on n'est pas sur place, on n'en connaît pas vraiment la gravité. Alors pendant le trajet, on extrapole, chacun selon ses capacités, à endurer le stress dans lequel nous nous projetons à vive allure. Parce que Julien il était d'astreinte donc ça l'arrangeait en fait. Parce qu'on s'arrange en fait pour les week-ends. Nous sortons du département. Là voilà la zone blanche. Ne cherchez pas les bornes qui délimitent ce territoire si particulier. Il a été nommé ainsi car il est éloigné de plus de 30 minutes de délai d'intervention de notre SMUR. C'est donc que nous roulons depuis plus d'une demi-heure. La prochaine fois, je penserai aller aux toilettes avant de partir. 40 minutes. Oui, bonjour, Bernard. Bientôt arrivé. Je voulais savoir le lieu dit sur mon souche, c'est à quel endroit, parce que les ventes, je ne l'ai pas sur le GPS ni sur la carte. Louis Gaumont et Chomini. Ok, merci, à tout à l'heure. Nous arrivons. J'ai la carte. Un trésor, tu sais. Il va nous le dire. Hein. Vous avez quel âge? 80. Ouais, puis il y a un monsieur Brieritoni qui est en bon état. Ça magique? Non. Ça tombe. Je vais même chercher mon petit ordinateur dans la voiture. Non, mais j'ai pas. C'est bien, je sera bientôt. Là. Denis, non. Merci. Bah, bon, je t'en prie. On va le ramener, on va le mettre aux soins, puis on va voir en fonction s'il est moins douloureux et qu'il n'a pas. Mais je pense pas qu'il est nécrosé. Bah, tant mieux. Ça vous gêne pas de trop, c'est pas très agréable, mais.
Ça permet de mieux respirer quand même, hein. Ah oui, quand même. Depuis combien de temps vous n'étiez pas bien, là? Quand on arrive et qu'on trouve un médecin sur place, c'est un luxe. Mais la plupart du temps, il n'y en a pas, puisqu'il n'y a presque plus de médecins dans de nombreux secteurs du Morvan. Alors les pompiers qui arrivent toujours avant nous gèrent au mieux la situation en nous attendant. Bon courage. C'est qui conduit? Ah non, ma voiture. Donc, moi je conduis mon oncle. Bah, Julien il va conduire si vous voulez. Tu veux, tu restes à l'intérieur ou tu veux conduire? Ah moi bah, je conduis si tu veux. Allez tiens. Ouais je crois. Hein? Est-ce que vous avez peur? Hein? Vous avez peur quand vous conduisez pas? Non. Ouais vas-y. Bah, vous avez conduit celle-là. Voilà. En soi, notre mission médicale en SMUR se résume à traiter et à médicaliser chaque patient sur place pour pouvoir le transporter et le ramener au service des urgences où là, on pourra s'occuper de lui dans de meilleures conditions. On espère toujours qu'on pourra le ramener et c'est ce qui se passe la plupart du temps. Sauf que ce n'est pas toujours possible. Ce que je redoute à chaque fois que je m'assieds à l'arrière de ce véhicule, c'est de tomber sur ce genre de sortie-là. Celle qu'on ne souhaite à aucun de ses collègues. Celle qu'on n'oublie pas. À l'arrivée, moi j'ai sauté dans la voiture en fait. J'y suis arrivée, il y a Fred qui m'a dit voilà, là, il y a une jeune dans la voiture, elle bouge, elle est consciente. Donc on est passé devant et puis c'est là que je me suis rendu compte que ça passait pas. Que l'air, je disais au médecin que l'air passait pas, que j'arrivais pas à ballonner comme il faut, et puis quand on est passé devant et que pendant que je ballonnais, il a pu mettre sa main sur sa gorge, en fait il a vu que la trachée était coupée. Donc là c'est autre chose parce qu'il faut aller encore plus vite pour l'enlever de la voiture, il faut se dépêcher, et puis quand on l'a allongé, là. Il y a du sang qui a coulé par tous les orifices. Et puis on s'est dépêché de la mettre dans le camion. Il a essayé de mettre un quick track. Mais... Et puis on s'est dépêché de revenir. Et puis bah, malheureusement, quand on est arrivé là, on a déclaré le décès peu de temps à l'arrivée. Quoi. Je pense que c'était obligé. Ça fait que ruminer tout le temps, ça se ressasse, la scène se repasse à chaque fois. Maintenant, je me dis que voilà, je peux retrouver une voiture dans le même état que celle-là. Mais après, bon, bah voilà, c'est notre boulot, c'est comme ça. Mais t'oublie pas, ça reste forcément dans un coin de ta tête. Blessé léger avec trauma du coude. Sa compagne, 76 ans, décédée à la suite de blessures graves, trauma thoracique et trauma crânien. Décédée sur les deux. Décédée, oui, malheureusement. Vous restez là en observation et puis demain vous s'occuperez des papiers ou votre fils s'occupe des papiers de la voiture. Enfin, les gendarmes ont dit de passer chez eux. Il ne faut pas se culpabiliser. Hein. La route, il y a 36 000 causes de la route. Hein. Et puis il pleuvait et puis voilà. Ah!
Des fois, c'est compliqué. Un patient mal en point qu'on a ramassé en SMUR et ramené aux urgences, mais qui a besoin d'être hospitalisé en réa, ne peut pas rester ici à l'hôpital. Il n'y a pas de service de réanimation à Autun. Il faut le transporter rapidement sur un plus gros centre. Alors il faut attendre que l'équipe du SAMU de Dijon ou de Chalon-sur-Saône arrive. L'état du patient se dégrade et les minutes sont comptées. Il faut le préparer au transfert. On passe le tube, comme on dit dans notre jargon médical, pour le brancher au respirateur, et on le met en coma artificiel pour ne pas qu'il lutte contre la machine. Et ça prend des plombes. Plus de 2 heures. Le soir, quand il n'y a plus qu'un seul urgentiste et 2 infirmiers dans le service, eh bien tout le personnel est mobilisé. Et de garde ou pas, l'interne des urgences, comme les infirmiers et les brancardiers qui étaient en poste l'après-midi, reste pour s'occuper des patients. Car pendant ce temps-là, la salle d'attente se remplit. Excusez-moi de vous déranger. Il y a une madame en pédiatrie. Au final, il y a 3 croissants dans la BU. Il y a une CRP négative avec des blancs négatifs. Du coup, je la fais sortir avec du doliprane et du spasfon et une échographie à faire en externe. Voilà, ok. Glingling. Ah, celle-là, je peux plus la supporter. Il n'y a plus de place. Allez, Chalon, maniez-vous, je vais aller dormir. Mais qu'est-ce que je dis? Je suis déjà de garde depuis 3 heures. Bonjour. Bonjour. Il y a un ou une urologue ici? Non. Non, non. Mon problème, c'est que j'ai eu beaucoup de spasmes et là, depuis plusieurs mois, j'urine pas tout. Lui pour qu'il vous adresse chez l'urologue, justement. Hein? Ah, il faut que ça vienne de lui. C'est un spécialiste urologue. Hein, donc, là, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, vous avez un problème. Non, mais c'est tout le temps. C'est tout le temps, hein? Ouais. Je vais en parler au médecin, mais je pense qu'il va vous me. Je parle avec la caméra. Le bleu, c'est stérile. Voilà. Une aiguille de repérage, une aiguille verte. Pourquoi je suis aussi... L'autre, elle me disait, vous faites des caprices. Alors, si j'essaye bien d'y comprendre, c'est vrai que j'aime bien arriver à mes fins. Tant que je ne suis pas arrivé à mes fins, ça m'énerve. Faut tout expliquer les choses, j'en ai marre. Mon Dieu, est-ce que j'en ai marre? Ça m'énerve, je suis stressé à un point. Vous imaginez même pas. J'y casserai tout. C'est ce que je disais à mon médecin. Médecin, vous n'avez pas un institut où on puisse rigoler 24 heures sur 24, ça me ferait du bien. La vie est trop sauvage de nos jours. En fait, il faut que ça aille bien dans mon corps. Et c'est parfait. Et il faut surtout que je rigole beaucoup. C'est pas vraiment une question de parler. Il y a des gens, c'est sûr, je les vois, il faut qu'ils parlent. Je veux voir, j'ai une copine, il faut qu'elle parle. Je vais aller boire un coup. Au revoir, hein. Mais en fait, les listes, ouais, il n'y avait même pas besoin de les enlever. Non. Parce que celle du dessous, il n'y a pas de trou. C'est juste. Mais elle ne servait à rien en fait, celle du dessous. Bah oui. C'est les gendarmes. Poste de matériel là. Ça vous va? Pourquoi? Voilà.
Voilà, faut qu'il nous vole là. Il y a un monsieur qui a été amené par les pompiers ce soir. On l'a laissé repartir parce qu'il était en train de nous voler du matériel. Il avait démonté l'ordinateur d'une salle et puis il le mettait sous son manteau pour repartir. Il est manifestement alcoolisé, donc il y aura peut-être des bons samaritains qui vont le voir comme ça et qui vont rappeler. Si les pompiers interviennent, c'est éventuellement pour le ramener à son domicile, mais c'est pas la peine qu'ils nous le ramènent ici. Moi, j'aime pas les voleurs. Oui, Jean-Yves, c'est Émilie, il y a des parsimures. Un monsieur qui fait un OAP. C'est parti. Ok. Un OAP. Encore une sortie sur un OAP. C'est quoi un OAP ? Un œdème aigu du poumon. C'est un motif de sortie régulier. Cette pathologie rend la respiration atrocement difficile car les poumons se remplissent d'eau et empêchent l'oxygène de passer dans le sang. Bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est une complication fréquente des insuffisants cardiaques, ceux qui ont déjà eu un infarctus notamment. Ça me semble. Ouais. N'hésitez pas à nous dire, hein, au fur et à mesure, s'il y a quelque chose qui se passe ou que vous ressentez. D'accord ? Important. Vous avez fait des efforts aujourd'hui ? Aucun. Oh, mais tous ces temps-là, voyez bien, ils montent le bois. Ben oui. Ben oui, ben le bois, il ne monte pas tout seul, quoi. Ben oui, c'est vrai. Jean-Yves m'a dit qu'il a constaté qu'il y a moins de sorties pour OAP dans le Morvan. À croire que les Morvandiaux sont plus forts et plus endurants. C'est pour ça qu'on les appelle les résistants. Vous allez pouvoir mettre vos... Une fois que vous serez assis sur la chaise, mettre vos bras sur votre ventre. Mais il faut comprendre ce constat autrement. S'il y a moins d'OAP, c'est qu'il y a moins de gens qui ont survécu à leur infarctus. Ces résistants sont des survivants. Pourquoi ? Parce que les délais d'intervention sont trop longs, tout simplement. Et le SMUR aura beau rouler à 120-170 km/h, les urgentistes ne pourront pas vaincre les contraintes de distance. Si tu peux, hein, si tu peux prendre la route, tu restes un jeune homme débrouillé. Ça va maintenant. Hein ? Hein, faut pas être inquiète. Hein ? Allez. Vous appelez, vous n'hésitez pas à appeler. C'est à chaque fois la même chose. Ben. Vous avez des enfants ? Oui. Oui ? Vous les préviens pas ? Vous les appelez pas ? Ils habitent dans le coin ? Ils habitent ici ? À Outa. À Outa. D'accord. Ça va, oui. Vous inquiétez pas, de toute façon, appelez, s'il vous plaît. Pas trop froid. Vous laissez une heure. Tout à l'heure. Ce qu'il aurait fallu sur ce territoire, c'est donner des moyens au système de soins pour ne pas laisser s'étendre cette fatale zone blanche. Les soirées laborieuses et les nuits sans fin s'enchaînent aussi très souvent avec des journées apothéoses où tous les thèmes s'en mêlent. À 38 passages par jour en moyenne, le service est encore à peu près gérable. Mais une moyenne est une moyenne et sous-entend qu'il y a des dépassements. Ça arrive souvent que le service déborde. Les salles sont pleines, alors on entasse. On garde les patients installés sur des brancards ou dans les chambres de surveillance. On va le mettre comme ça sur le visage et tu vas respirer tout doucement, tranquillement. Tu vas voir, ça va aller mieux après.
tu dors. Ça va, Camille? Ça fait pas mal. T'es courageuse, hein? Remarquez, on trouve toujours la même cause à ces encombrements. Il manque cruellement de lits dans l'établissement et on ne sait plus où mettre les gens. Les urgentistes prêchent des heures durant au téléphone pour convaincre les médecins des autres services et même des autres hôpitaux de faire de la place pour de nouvelles hospitalisations. C'est la grande valse des brancards. On pousse les patients un jour dans le sens des entrées, le lendemain, dans l'autre, vers la sortie. Ça va? Oui, bah. Parfait. Bien sûr. Allez, on va aller se mettre dans une chambre. Ce serait bien. Ouais, d'accord, 4. Petit Juju m'a raconté sa dernière garde. À 1h du mat, il a été appelé au moyen séjour sur l'ancien site hospitalier pour une patiente trouvée dans le coma. Du coup, il a dû appeler Jean-Yves pour engager le SMUR à venir à sa rescousse. Ok, bon ben on va y aller de toute façon. T'appelles le 15 qu'ils envoient l'ambulance et nous on va y aller en VNL. D'accord, ok. Moyen séjour, coma, Glasgow 5, sur un AVC. Le comble du comble, l'interne de garde déclenchant un SMUR en interne. Tu sens la voiture ? SAMU 71, départ VML Autun. On en a parlé tous les deux de cette garde. On se raconte toujours nos petits malheurs. Je lui ai confirmé que j'aurais fait pareil à sa place. Diabétique, elle a une cardiopathie ischémique. Moi j'avais des. Vous avez un rose ? Il y a des petits tics d'un côté ou pas ? Non. Non. Non, non, pas du tout. Ça a commencé. Et depuis. Bah, en fait, quand on l'a trouvé, elle était déjà comme ça. Il était conscient d'avoir démuni les urgences de son unique urgentiste. Car pendant ce temps-là, il ne restait plus dans le service qu'un infirmier tout seul. Et si cet infirmier avait besoin rapidement d'un médecin, eh bien il n'avait plus ni l'urgentiste, ni l'interne de garde sur place. Mais Julien n'avait pas d'autre solution. Légalement, il devrait y avoir deux urgentistes la nuit. Mais comme c'est pas possible, il compose. Je vous laisse vous habiller tout seul, ça va aller ou pas? Parce que j'ai une urgence. À la périphérie, pour fonctionner, il faut déshabiller Paul pour habiller Pierre. La gangrène blanche gagne du terrain et le système pourrit doucement par manque de moyens et de médecins. À l'heure où j'arrive au bout de mon semestre, la situation empire. Les urgentistes apprennent qu'ils ne seront plus 5, mais seulement 4 pour faire tourner les urgences. On est en train de faire du maquillage et ça n'arrangera rien du tout. Voilà. Elle m'a dit quels sont les noms des médecins du Creusot qui viennent. Ben voilà, ouais, mais je ne sais pas, je n'ai pas de nom. Et ils ne savent pas. Ils vont privilégier le Creusot et puis nous, basta. Nous, on n'est plus que 4. C'est ça qu'il faut que la communauté médicale le comprenne, c'est qu'on n'est plus que 4 médecins aux urgences à Autun. Et la seule façon de leur montrer, c'est le planning avec 4. C'est laisser les trous. Non, exactement. Vous laissez les trous et s'il faut fermer, on ferme. Ah, en plus, les internes vont arriver, ça va être des nouveaux. Oui, des nouveaux. Donc, ils vont être sans doute efficaces, mais je pense quand même moins que ceux qu'on a à l'heure actuelle, au moins pour les premiers jours. Non, mais quel que soit le planning que tu vas faire, tu vas laisser des trous. Mais il faut crever l'abcès maintenant. C'est-à-dire, il y a un médecin ici qui fait le travail de 2,5 médecins. Même 3. Voilà, et puis le problème, c'est que la fac ne forme pas assez de médecins urgentistes. Et qu'on a une concurrence de Dijon, de Chalon. Dijon a perdu des médecins, ils ont besoin de recruter des médecins. Donc, comme c'est eux qui chapeautent la formation des médecins urgentistes, eh ben, ils détournent les médecins urgentistes pour eux. Et puis voilà. Et puis nous, on n'a rien.
Dans les services, quand il y a des problèmes d'activité, ils ferment des lits. L'été, ils ferment des lits. Nos urgences, on ne peut pas fermer. Comment on fait? On ferme la porte. Voilà, on dit au 15, vous nous envoyez plus les patients. Vous leur faites faire une heure d'ambulance, vous les accueillez à Chalon, vous les traitez à Chalon. Et tous les patients qui viennent de Château-Chinon, de Monceau, chez les Sétons, tout le Morvan, ils vont faire quoi? Ils vont les envoyer sur Chalon. Puis ils verront comment ça va se passer. On est déjà à nos sites les plus éloignés, là on est déjà à plus de 45 minutes de SMUR. Si Autun ferme, il faut rajouter une heure. C'est plus la peine de faire un SMUR. La vraie urgence vitale, l'accident de la voie publique, l'infarctus, l'arrêt respiratoire, tout ça, c'est le service d'urgence qui est plus loin que 30 minutes, et ben, c'est les gens qui sont morts. T'as une société que de jeunes, que de gens bien portants, et puis, ou de ceux qui survivent. Ceux qui survivent pas, ben, tant pis, coûte moins cher à la sécurité sociale, et puis voilà. C'est simplement un petit peu d'oxygène. Alors, soit on donne les moyens à l'hôpital de fonctionner, soit on lui donne pas les moyens, mais on en assume les conséquences. Ça y est. Ouais, parce qu'elle est jeune. Ça y est. Elle est à 32,9 de température et sous 0,5 litres d'oxygène, on descend à 92, donc j'ai remonté un petit peu un litre d'oxygène. J'ai déjà prévenu le SMUR pédiatrique. Qui va venir la chercher à Autun. Faudrait que tu préviennes la pédiatre. Pendant qu'on roule. Merci, à tout à l'heure. On descend tout. Vous, Laurette, on peut vous descendre là? Ouais, tu me descends tout. On se replace à part. Ouais. Tu peux mettre dans l'ambulance? Tu sais ce qu'on vient de faire avec le Jean-Yves? Oui. Un accouchement de 26 semaines. Tu verras ça. J'ai bon moment à remettre, je crois. On vient d'arriver là. Ah non, il était sur le lit. J'ai jamais fait d'accouchement et en plus, un bébé si petit comme ça, non mais j'arrive pas à m'en remettre. Non, mais elle a jamais vu un bébé si petit. 32 degrés de température. Ouais, la température, laisse tomber. Vous la réchauffez? MacGyver en action. Une bouillotte. Poche de berf au micro-ondes et puis dans le dos. Quand j'ai fait le dextro au talon, oh, tu sais, prendre son petit pied comme ça. Elle disait qu'elle devait faire 600 grammes. Un truc de dingue. C'est bien. Il y a ce qu'on t'a appris que tu n'avais pas vu, il y a tout ce que tu as appris avant qui était très bien. Très bonne progression, très bon stage, aspect positif, interne très dynamique. Ça en fait des compliments. Bah oui, hein. Difficulté rencontrée, aucune. Ce que tu as pensé du stage, ce que le stage t'a apporté. Déjà, on apprend pas mal, on est bien pris en charge. Des fois on est un peu seul, mais ça arrive souvent le soir au final. Non, mais aux urgences, c'est genre une certaine prise en charge, pour on est un peu loin, quoi, donc du coup c'est un peu problématique. Après, on est à l'hôpital, donc on a quand même un minimum. On a quand même le scanner facile, les échos, etc. En tant que médecin généraliste, c'est sûr que c'est plus compliqué, donc c'est certain. Nous, on n'a pas à se plaindre, on s'est régalé, et puis voilà quoi. Quand est-ce qu'on re-signe? C'est ça la question. Alors l'autre solution, c'est de pas valider le stage, comme ça tu reviens. Ouais, je vais avoir des problèmes avec la fac après. Au revoir Aline. Au revoir Angeline. C'est mon dernier jour aujourd'hui. Je viens vous le citer. Oh, c'est vrai, tu t'en vas. Bonne continuation. Je m'en vais. Au revoir le service. Bon courage pour la suite.
À la question « Tu n'as pas envie de t'installer en zone rurale ? À peine ton cabinet serait-il ouvert qu'il serait déjà plein ?» Je réponds non. Ben non. Oui, j'aimerais bien habiter un petit coin de campagne tranquille, mais non, c'est pas possible. Où irait travailler ma chérie ? Et moi, j'en ferai quoi de mes patients s'il n'y a pas de plateau technique médical performant à proximité pour les accueillir ? Je veux pas exercer dans un contexte d'insécurité permanent loin d'un hôpital. J'ai bien conscience que vous pourriez prendre ça pour une forme de lâcheté ou je ne sais quel autre défaut nombriliste, mais c'est faux. C'est pas par manque de courage. C'est juste raisonnable. Time this year.